Bonjour à tous, aujourd'hui épisode 2 de Je réponds à vos questions. Le sujet du jour sera le statique. Merci à tous pour toutes les questions que vous nous avez envoyées et c'est parti. Bon, la préparation en apnée statique peut avoir plusieurs phases. Une phase qui va se passer plutôt au sec et une phase qui va se passer plutôt dans l'eau. Très rare en apnée statique, les gens qui partent en no warm-up, c'est-à-dire sans préparation dans l'eau avant leur performance. Ce qu'il est bien de faire, c'est des étirements thoraciques. Faire des séries d'étirements, poumons pleins, poumons vides, d'avoir le dernier, pour augmenter la dernière inspi, que votre dernière inspi soit la plus performante possible. L'assouplissement du diaphragme. Les assouplissements du diaphragme, c'est très important. L'assouplissement du diaphragme, on va faire quoi? On va expirer au maximum son air pour travailler avec le diaphragme. Et là, on va essayer de jouer avec. On va le monter, on va le descendre pour travailler tout ce qui est assouplissement de ce diaphragme et l'habituer à prendre un maximum de volume d'air. Après, on peut travailler la ventilation. La ventilation, il y a des programmes de pranayama qui sont assez efficaces pour ça, pour travailler tout ce qui est apnée au sec. Une chose importante, c'est la visualisation de votre apnée statique. Visualisez votre apnée statique du moment où vous vous préparez jusqu'à la sortie quasiment. Pas par pas, vous visualisez, vous savez à peu près dans quel moment vous allez rentrer sur une phase un peu compliquée. Et du coup, la visualisation va vous aider à surmonter ce phénomène. La deuxième phase, c'est la phase qui va se passer dans l'eau. Là, la phase qui se passe dans l'eau, l'échauffement dans l'eau, c'est plutôt une phase très personnelle. Chacun a un peu son protocole d'échauffement dans l'eau, un travail avec des inspirations plus ou moins longues, en poumon plein, en expi passive ou en poumon vide. Expi passive, c'est quoi? L'expi passive, c'est je prends un grand volume d'air et je relâche uniquement. Donc ça donne... En fait, je relâche juste ma masse musculaire, je ne suis pas poumon vide. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais un échauffement est essentiel pour faire une belle performance. Alors oui, je te conseille de mettre une combinaison en apnée statique. En apnée statique, on fait très peu de mouvements, voire pas du tout, ils sont néants. Donc, tu vas avoir vite froid, et quand on a froid, c'est très difficile et de se relâcher et de prendre du plaisir. Du coup, la performance va s'en ressortir. Quel type de combinaison? La plupart des apnéistes qui font du statique prennent des combinaisons d'extérieur, donc des combinaisons qui font 5 mm en néoprène refendu, qui sont des combinaisons souples et qui permettent une ventilation généreuse et agréable. Il n'y a pas de souci par rapport à des combinaisons de plongée qui sont serrées ou néoprène épais, c'est pas du tout pareil. À la suite de ça, ça va aussi t'aider à flotter. La combinaison complète va t'amener une flottabilité, donc un confort. Il y a une cagoule, autre avantage, il y a une cagoule. Cette cagoule va faire quoi? Va se permettre d'être plus concentré, d'être dans ta bulle. Par contre, point négatif de la cagoule, c'est que très souvent, eh bien, on a un peu de mal à entendre à la fois les consignes du moniteur ou du coach. Moi, personnellement, en extérieur, je prends ma... J'ai une combinaison 5-5 de chez Homer, une sandwich, et c'est la combinaison que je mets en apnée statique. Alors, tu vas avoir deux types de spasmes. Des spasmes de la glotte, des spasmes du diaphragme. C'est pas que ton corps a envie de respirer, c'est pas une rupture d'apnée, c'est juste qu'à un moment donné, ton cerveau réfléchit que, bah, par exemple, ton diaphragme n'a pas fonctionné depuis un certain moment.
Donc moi, ce que je fais en apnée statique, c'est que j'essaye de leurrer mon cerveau, je fais travailler mon diaphragme en le faisant descendre, en le faisant monter, en le faisant descendre, et ça doucement, histoire d'essayer de leurrer mon cerveau. Par contre, ça dure qu'un temps. La deuxième chose va être de faire, à l'arrivée de tes spasmes, c'est de faire ami-ami avec eux. Ils sont là, il va falloir faire avec, pour qu'ils soient plus ou moins douloureux. L'idée, ça va être de se relâcher au maximum. Il faut vraiment se relâcher au maximum, d'essayer de les bloquer et de lancer un scan corporel. C'est-à-dire que ton scan corporel, il va partir des doigts de pied, et il va monter jusqu'à la pointe des cheveux tout doucement, les doigts de pied, les pieds, les chevilles. Et là, tu remontes tout doucement, c'est ce qui va te faire gagner quelques secondes. Après, effectivement, à un moment donné, tu vas arriver au bout de ton apnée, l'espace va être de plus en plus douloureux, ou pas. Et là, il va falloir adopter une position de confort. Ta position de confort, par exemple la mienne, ça va être quoi? Moi, quand je fais une apnée statique, j'ai les bras pendants dans l'eau. Donc dès que je veux attaquer mon apnée, ma position de confort en apnée, je vais faire quoi? Je vais mettre une première main sur le mur, qui va me faire gagner quelques secondes. À la suite de ça, je vais amener une deuxième main. Ma deuxième main sur le mur. Puis là, ça va me faire gagner encore quelques secondes. Et puis là, je vais commencer à poser mes pieds au sol. Je gagne encore quelques secondes. Je vais sortir tout doucement, juste au niveau des oreilles. J'ai toujours la bouche dans l'eau. Le fait de sortir les oreilles, mon cerveau dit, tiens, c'est bientôt la fin, je gagne encore quelques secondes. Mais on est toujours dans les spasmes. Voilà, ça, c'est avec un temps. Et pour améliorer tout ça, il y a plusieurs choses. Tu peux travailler soit en poumon vide, soit en expi passif sur les apnées. Et évidemment, travailler tout ce qui est souplesse du diaphragme. Plus le diaphragme va être souple, plus l'habitude de travailler, plus les spasmes vont être supportables. Alors, c'est plutôt les spasmes qui vont déclencher la déglutition dans la majorité des cas. La plupart des cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut surtout travailler le fait de repousser l'arrivée des spasmes et apprendre à les surmonter, un peu comme on a vu dans la vidéo précédente. Alors, l'apnée statique se pratique dans des bassins à faible profondeur. Il y a quand même très peu de chances que la vasoconstriction vienne t'embêter à ce niveau-là. En plus, la vasoconstriction, elle va faire quoi? Elle va plutôt te donner des picotements sur les extrémités, pieds, doigts. Par contre, il est sûr que le manque d'O2, lui, va entraîner ce type de sensations de picotement. Alors toi, tu as des picotements, il y en a d'autres qui ont d'autres sensations, chacun a ses propres sensations. Par contre, il est sûr que à un moment donné, ces sensations te rapprochent peut-être ou pas de la PCM et de la syncope, où tu auras zéro signal avant l'un ou l'autre. Les limites physiologiques en apnée statique, c'est pas lié forcément au fait qu'on soit sportif ou qu'on soit un petit peu avancé dans l'âge. Aujourd'hui, les meilleurs apnéistes statiques sont pas forcément les plus jeunes. Par contre, effectivement, on a tous nos limites physiologiques. Donc que ce soit les limites en termes de volume pulmonaire, souplesse thoracique, tolérance à l'O2 et au CO2, toutes ces limites, effectivement, on les a. Par contre, toutes ces limites peuvent se travailler très facilement pour être repoussées toujours progressivement. Il ne faut pas sauter les étapes et aller trop vite. On peut travailler tout ce qui est étirement thoracique. Tout ce qui va être étirement thoracique va faire quoi? Va nous permettre de prendre un volume pulmonaire plus important, donc de rester plus longtemps, d'avoir une apnée statique plus longue. On va pouvoir travailler aussi sur des séries hypoxiques ou hypercapniques, ce qui va nous aider à travailler notre tolérance à l'O2 et au CO2, donc du coup qui va nous emmener encore une fois plus loin.
Et tout ce qui est travail, de tout ce qui est travailler, le travail, on va dire, le travail, tout ce qui est sur le nombre de spasmes ou de contractions, plutôt que de travailler avec un chrono. Le chrono, je dirais qu'un chrono, le chrono dans une progression, c'est, faut l'oublier. Il faut travailler les sensations, on travaille les spasmes, on dit bah voilà, on attend le deuxième spasme et on sort. Après, une fois que ça s'est maîtrisé, on va travailler sur le troisième spasme, le quatrième spasme, mais on va vite s'apercevoir que finalement, on a repoussé nos limites physiologiques et que le chrono, bah lui, finalement, quand on va faire un chrono, va s'en ressortir naturellement. Alors, il y a un autre phénomène en apnée statique, c'est les barrières psychologiques. Barrières psychologiques, c'est naturel, hein, ça vient, c'est pas nous qui nous les imposons, c'est naturellement notre cerveau qui nous impose ça. Et du coup, il va falloir passer outre ces barrières psychologiques. Très souvent, en apnée statique, les gens, le cerveau est au repos, le cerveau fonctionne à 10 000 à l'heure, les idées passent dans tous les sens, on pense plutôt à ce qui va arriver plutôt qu'au moment présent. Donc, ça rend l'apnée statique très difficile et très compliquée. Il va falloir à tout moment, pour passer ces barrières psychologiques, c'est quand on est en apnée statique, ça va être de quoi? Ça va être de se raconter une petite histoire, de chanter une chanson, de compter le temps qui passe, de se fixer sur un bruit qui va nous aider à nous poser, à mettre notre cerveau au repos. Tous ces éléments, ça se travaille. Il va y avoir aussi le côté émotionnel. Le côté émotionnel, c'est quoi le côté émotionnel? C'est dire, voilà, j'ai fixé. À un moment donné, je me suis fixé un temps, je me suis fixé un nombre de spasmes, je me suis fixé quelque chose à travailler. Et plus j'y arrive, moins j'arrive à rester dans ma concentration et plus mon côté émotionnel va ressortir. Et du coup, ce qui va remettre en route, encore une fois, notre cerveau qui va se remettre à travailler à 100 à l'heure. Les choses qui peuvent aider à travailler ça, hein, c'est tout ce qui va être l'hypnose, c'est quelque chose de très bien. Les séances d'hypnose, c'est quelque chose de très bien pour nous aider à nous poser, à mettre nos cerveaux au repos, trouver la petite histoire qui va bien pour dépasser ses limites. Attention, il faut être patient. L'apnée statique, la progression peut venir vite ou pas. Il faut de la patience, il faut de la progression. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir faire une perf à tout prix, à chaque séance d'entraînement. Ça pourrait être contre-productif. L'épisode 2 de Je réponds à vos questions est fini. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Prochain épisode, la gueuse. Donc envoyez-moi vos questions sur la pratique, la sécurité, toutes les questions qui vous passent par la tête sur l'utilisation de la gueuse. En attendant, n'oubliez pas, restez chez vous et prenez soin de vous. Thank you.